Pour raconter ma vie, peut-être partir de petits éléments plus anecdotiques du côté de mon père, les Fourniers. Mes parents sont décédés il y a déjà une quinzaine d'années et on avait cette coutume, un rituel, j'aime bien les rituels de famille, qui est de se réunir à la campagne, dans la région des Bois-Francs, un de mes frères, Benoît, qui est installé là. Et à chaque année, depuis le décès de nos parents, on loue un ancien presbytère et toute la famille. On est quand même 9 enfants, quoi, avec les conjoints, maintenant les enfants et maintenant les petits-enfants, on est quoi, entre 40 et 50, selon les années. Et on passe 2 journées. Là-bas, il y a une espèce de partie de match de hockey entre les oncles, c'est vrai que les enfants, les petits-enfants maintenant, c'est toujours très agréable. Je joue au hockey, quoi, encore. Même si mes performances sont moins bonnes qu'avant. Il y a aussi un repas de famille. Et ça se termine toujours par, au fond, une prise de la parole. Je pense que c'était une tradition familiale. Mon père aimait bien, au jour de l'an, comme ça, inviter d'abord les plus âgés à prendre la parole. C'est habituellement lui qui faisait un petit discours. Après, il invitait. Et ensuite, ça s'est, peut-être à la suite des revendications, ça s'est démocratisé. Et chacun prend la parole. On a gardé ça et raconte un peu. Et le lendemain matin, il y a quand même le petit déjeuner, on revient, et je me suis trouvé une fonction. Une point de mission, mais une fonction. Et c'est devenu aussi une partie du rituel, qui est de raconter des éléments de souvenirs de la famille. Et donc, je me vois le matin, au petit déjeuner, qui est quand même vers 11h, parce qu'on s'est couché très tard, je raconte des éléments de la famille. Donc, est-ce que j'en ferai à un moment donné un récit quelconque? Je pense pas, c'est plutôt selon les questions. Les thèmes, ça permet de, oui, se remémorer l'histoire donc, collective et de la famille. C'est une histoire d'une famille d'industriels. Et, juste pour terminer cette anecdote, quand je présente finalement cette histoire, bon, ça dépend des questions et tout ça, mais il y a un temps, on voulait savoir bon, comment est né, finalement, comment s'est développée cette entreprise. Parce que mon grand-père était un industriel de la chaussure. Il avait créé lui-même pour tous les éléments de cette entreprise en partant de la tannerie, la fabrication de chaussures pour hommes, fabrication de chaussures pour dames, et aussi tous les éléments, outils, matériaux qu'on a besoin pour les cordonneries et tout ça. Et donc, c'est devenu un petit empire industriel installé à Plessisville. Et le grand-père, Eudard, a mis ses 4 garçons et son gendre dans l'entreprise, qui s'est appelé à un moment donné Fournier et Fils. Donc, quand je raconte un peu cette histoire, j'avais pris un certain nombre d'informations. Le développement, quand ça arrive finalement et ça monte, comment ça grandit, comment ça devient une vraie entreprise prospère avec les chaussures de guerre, les chaussures de religieuses, tout ça. Bon, ce sont très. Il y a des espèces de fascination. Les neveux et maintenant les nièces sont fascinés. Une année, bon, j'ai dit, bon, ça va, c'est bien beau faire l'éloge, l'histoire d'un succès, success story. On va maintenant raconter comment l'entreprise, c'est le déclin de l'entreprise. Et là, effectivement, bon, dans les années 60, moi, quand j'étais jeune, bon, l'entreprise commençait, après la mort du grand-père, à avoir des difficultés. Et on trouvait, disons, un peu quelles étaient les explications. Est-ce que c'était les garçons qui n'avaient pas la capacité de gérer comme le grand-père? C'est probablement aussi le fait que les 4 fils et le gendre s'étaient divisés en entreprise au moment du décès de mon grand-père. Pour prendre, mon père avait pris chaussures pour femmes qui étaient à
à Victoriaville, et un autre a pris Cordonnerie, qui était à Trois-Rivières, un autre. Donc, c'est probablement le fait de diviser cette entreprise seulement qui a affaibli. Parce qu'au fond, d'une année à l'autre, un secteur pouvait être plus prospère, plus successful, d'autres étaient plus difficiles. Et donc, d'année en année, ça pouvait s'équilibrer. Et donc, mais en dehors pour moi, que fin des années 60, avec, entre autres, on disait, la concurrence italienne. Tu vois, je reviens là. Hier, j'étais à Venise, je regardais la chaussure, la tannerie. Et tout ça, je me suis rappelé, finalement, de cette fameuse compétition de la chaussure italienne. Mais ce qui était aussi lié à des questions de technologie, finalement. C'est-à-dire que la mode changeant rapidement, il a fallu, finalement, modifier la technologie. De telle sorte qu'on pouvait produire, finalement, des chaussures différentes d'année en année. De saison en saison, ce qui n'était pas possible avec l'ancienne technologie, les formes en bois. S'il fallait changer les formes en bois chaque année, ça coûtait beaucoup trop. Donc, la concurrence italienne, la difficulté, je pense, de faire une transformation technologique. Donc, ça expliquait le déclin de l'entreprise. Mais les neveux et nièces ne voulaient plus savoir. On voulait savoir, finalement, la grandeur. On se disait, on est une grande famille qui, au plan économique et au plan politique, a réussi. Parce que mon grand-père, Eudard, mon père, Joseph Eudard, avait été maire de Plessisville. Mon père était très proche, finalement, des partis politiques, surtout du parti Union nationale, donc du Plessis. Lorsqu'il venait à Plessisville, s'arrêtait. Bon, du Parti conservateur au plan fédéral, on recevait de Diefenbaker une carte de Noël à chaque année, qui nous faisait toujours rire parce qu'il signait John et Olive. Pour nous, Olive, c'était... Vous voyez un peu... Non, mais la politique était présente. Je pense que mon père, qui était industriel, aurait lui souhaité devenir... J'utilise le terme industriel. Je me souviens qu'à l'école, on nous avait posé une question. Quelle est l'occupation de votre père? Et j'étais revenu à la maison en disant, bon... On me demande l'occupation. C'est quoi, c'est quoi? On vous voyait, nos parents. C'est quoi votre... Comment on pourrait identifier votre occupation? Puis là, il a commencé à réfléchir. Homme d'affaires. Ça, il n'aimait pas trop cette appellation. Puis il cherchait un peu. Puis il a finalement terminé par dire industriel. Donc, il y avait une certaine fierté d'être du côté de ceux qui produisent des choses par rapport à ceux qui brassent des affaires ou même par rapport à ceux qui sont des commerçants. Les commerçants, finalement, tirent profit d'un travail qui était dessus. Les ouvriers, mais aussi les industriels. Donc, on a l'impression qu'on produisait de la vraie valeur. C'était nous qui étions au cœur de la... Donc, voyez un peu ce milieu, oui, relativement, oui, bourgeois, financièrement à l'aise, même si on était très nombreux. Quand on est 9 enfants, il y avait 5 garçons, 4 filles. Bon, on n'avait pas des vêtements neufs à... Toujours, on prenait plutôt les pantalons des frères plus âgés et des choses comme ça. On passait la même chose pour les bicyclettes ou des choses comme ça. Il y avait des choses qui étaient collectives. Donc, il n'y avait pas. C'était à la fois une aisance financière, mais en même temps, une vie collective où les choses étaient mises ensemble. Il n'y a pas nécessairement de. Oui. Est-ce qu'il y avait appropriation d'objets de luxe par chacun d'entre nous? Pas nécessairement. Ça se passait, quoi, d'un à l'autre, les skis, les vélos, des choses comme ça. Donc, mais on passait notre vie, finalement, de jeunesse à la Plessisville et les vacances sur le bord d'un lac, une vingtaine de kilomètres, à Saint-Ferdinand d'Halifax. Le nom est quand même un beau nom. Ils ont essayé d'appeler ça Bernierville, du nom du premier curé de la place. Bernier, ça ne s'est jamais imposé. On appelait ça, nous, le lac Saint-Ferdinand, mais c'était le lac William. Et on déménageait, finalement, chaque été, là, avec un camion, tout ça, le 24 juin. Puis on revenait après mon anniversaire, je suis né le 16 août, vers le 17 ou 18, pour la rentrée. C'est un milieu. Et donc, les garçons sont allés vers le collège classique, les filles plutôt vers les sciences infirmières. Ma sœur la plus âgée est allée... Pour quelle raison? C'était probablement la... On faisait éduquer les filles, mais de manière un peu différente.
Et mon père disait toujours, bon, science infirmière, c'est bien parce que ma fille ou mes filles pourront rencontrer des étudiants en médecine ou des étudiants en génie ou des étudiants en droit. Et donc, il pensait finalement au mariage des filles. Donc, la sœur plus âgée allait rencontrer un ingénieur. Et donc, ça marchait comme ça. Après, bon, c'est peut-être un peu plus difficile pour les autres générations. Mais les garçons, nous, c'était le collège classique. Les plus âgés sont allés, deux frères plus âgés sont allés au collège de Lévis, qui était près de Québec. On était, quoi, une centaine de kilomètres de Québec. Les plus jeunes, c'est-à-dire moi et mon frère jumeau, j'ai un frère jumeau, donc on pourra parler du frère jumeau, et mon autre frère, on est allé, nous, au collège de paix civile, qui était un externat créé par les Pères Sainte-Croix. Et l'idée était, pour les Pères Sainte-Croix, de partir de Montréal pour s'installer en région à la recherche de vocations religieuses. Donc, il y a toujours ça. Et l'idée était de faire uniquement les quatre premières années pour que, rendu après la versification, on s'oriente vers le séminaire Sainte-Croix ou quelque chose comme ça. Donc, c'était bien d'avoir l'externat. On n'était pas obligé d'être pensionnaire à 12, 13 ans. Moi, j'avais sauté ma septième année. Ce qui fait que j'ai toujours été... par rapport à mon frère jumeau, lui n'a pas sauté sa septième année, donc on était à la fois proches, très proches, en même temps, bon, on s'est distancés à ce moment-là. Tellement proches qu'on avait développé, semble-t-il, lorsqu'on était jeunes, 4-5 ans, notre propre langue. On se parlait entre nous, un dialecte qui n'était pas compréhensible des autres, donc comme quoi... J'ai jamais su finalement qu'est-ce que c'était cette langue, mais de toujours est-il que, avant d'aller à l'école primaire, on nous avait donné un tuteur, une femme, qui était dans l'enseignement pour, au fond, nous mettre à niveau, et nous faire perdre notre dialecte de frères jumeaux. Donc, on pourra revenir. Lui est devenu un artiste, moi, je suis devenu un universitaire. Donc, voilà un peu le milieu avec un pôle, je dirais, industriel, économique, et un pôle plutôt culturel, qui était du côté de ma mère, qui, elle, avait appris la musique, elle jouait du violon, et qui avait commencé comme institutrice jusqu'à son mariage. Et à partir de son mariage, elle est devenue femme à la maison. C'était, elle aimait bien lire, lire des romans l'été. Autant du côté de mon père, tous étaient dans le secteur de l'industrie de la chaussure, autant du côté de ma mère, c'était du côté, je dirais, à la fois des chemins de fer. Mon grand-père maternel était un chef de gare dans un petit village voisin de Lista. Une famille nombreuse aussi. Ma mère était une famille de 14 enfants. On voyait un peu l'étendue de ces familles, quoi. De sorte que ma sœur la plus âgée était plus âgée que notre tante la plus jeune. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'au fond, ma mère et sa mère étaient enceintes à peu près au même moment. Donc, c'est quand même... Et donc, on est quand même assez proche de cette famille-là. Il y avait d'un côté des oncles qui étaient du secteur de chemin de fer canadien national, donc... Et aussi des oncles et des tantes qui étaient religieux, prêtres. Donc, j'avais une tante du côté de maman qui était une religieuse et deux de ses frères qui étaient des prêtres, dont un qui était plutôt, qui avait commencé sur le chemin de fer et qui était devenu ensuite vocation tardive, prêtre. Et il y avait un de ses oncles curés qui avait une dimension intellectuelle beaucoup plus forte, qu'on appelait l'oncle Roger, qui était aumônier à l'Université de Sherbrooke et qui avait un intérêt pour les arts, pour la lecture. Il y avait un autre de mes oncles du côté maternel qui, lui, avait été fait d'une formation en relations industrielles. Et, donc, vous voyez un peu qu'il ensuite va faire une carrière dans le secteur coopératif, avec la SSQ à Québec, devenant président d'eux. Donc, vous voyez un peu la diversité des... Et cet oncle venait à chaque été au chalet,
pendant une semaine, il y avait, je pense, une influence. Je dirais qu'il y avait un pôle économique et un pôle plus culturel. Pourquoi j'ai choisi le pôle plus culturel, l'autre plus économique, je me souviens. Mais ça, c'est des choses qui nous reviennent, finalement. La grand-mère aimait bien, au fond, prédire l'avenir, lire les cartes, mais aussi dans la mare de café. Puis elle avait fait ça une fois qu'elle était chez nous à la maison. Puis elle avait dit, bon, en me parlant, en regardant, en disant, c'est toi qui seras l'industriel de la famille. Donc, j'ai dit, ça m'est resté en tête. Mais mon père ne voulait absolument pas qu'on devienne des industriels. Il voyait qu'il n'y avait plus d'avenir. Lui-même aurait peut-être rêvé faire autre chose, faire de la politique. Il avait été maire de son village. Je me souviens qu'on faisait, nous, des campagnes électorales pour lui, avec lui. Donc, passant des tracts de maison en maison ou allant dans les assemblées publiques et on nous divisait, on nous mettait à différents endroits dans la salle pour applaudir au bon moment, quoi, pour créer une animation. J'avais une formation politique déjà qui était là. Je me souviens qu'il avait gagné une fois et avait perdu la deuxième fois contre un avocat. On connaissait les enfants, par ailleurs, qui était au fond le côté plus libéral. Parti libéral, il était plutôt du Parti conservateur, Union nationale. Et je me souviens que de l'avoir vu pleurer en revenant à la maison de cette défaite. Quoi. Est-ce qu'il souhaitait qu'on fasse la politique ou qu'on n'ait pas, disons, les défaites qu'il a eues? Il était un peu malheureux parce qu'au fond, Plessisville était dans le comté de Mégantic et Thetford était la ville la plus importante. Et tout ça faisait que, globalement, c'était plutôt un comté libéral. Et donc, il ne voyait pas la chance un jour de pouvoir être élu. Il allait aux réunions aux conventions politiques à Québec ou pour Ottawa. Donc, il était quand même sujet à la politique à ce niveau-là. Je pense qu'à la fin de sa vie, après la défaite de l'Union nationale et tout ça, je pense qu'il a finalement voté au fédéral, tout au moins libéral, quoi. Mais sinon, c'était traditionnellement conservateur, plutôt anti... Oui, syndicat. Par exemple, à Plessisville, il y avait deux entreprises, pour revenir sur ça, qui étaient une qui était Fournier et chaussures, paternalisme d'entreprise. Une partie des employés, quand même, était liée à la famille élargie ou à des amis. Donc, il y avait des employés qui habitaient dans des appartements qui appartenaient aux grands-pères. Et donc, il y avait un peu... Et ce qui m'a toujours frappé, finalement, même nous, on travaillait un peu pendant les vacances de Noël, des petites choses, un petit peu de bricolage, des petits revenus. Mais mon père et ses frères appelaient leur père. Lorsqu'ils allaient le rencontrer, ils partaient en voler. Ils appelaient leur père, finalement, le boss. Il y avait une phrase, on va chez le boss. Donc, ça m'avait toujours impressionné, cette... Mais il y avait une espèce de cette entreprise familiale, et ce boss avait quand même donné des dons aux familles, des choses comme ça. Il était très antisyndical, alors que Forano, qui était une entreprise de métallurgie, était dirigée par un type très proche du Parti libéral et qui, lui, était... Peut-être que le syndicalisme a réussi, le mouvement syndical, à pénétrer cette entreprise. Et probablement qu'on verra, lorsque j'ai choisi la sociologie, bon, quel était peut-être mon rapport à l'entreprise, mon rapport à mon père. Toujours utile pour montrer cette opposition, finalement, entre Fournier d'un côté, Forano, entre un point de vue plus moderniste, je dirais, l'autre plus conservateur. Une des premières études que j'ai faites lorsque j'étais à l'université, ce sera avec Céline Saint-Pierre, et c'était sur le mouvement syndical dans les années 30-50. J'avais rencontré un spécialiste du syndicalisme universitaire qui connaissait Plessisville. Puis comment ça? Bon, j'étais à ce moment-là étudiant en maîtrise à l'université. Je m'étais marié assez jeune. Donc j'avais un jeune garçon, là, un an ou deux. Il commence à me parler, finalement, de Plessisville, quand il apprend ça, puis il dit, mais vous êtes marié avec qui, finalement? Mais je suis marié avec une fille de Plessisville. Là, je donne le nom, Pelletier. C'est quoi?
j'allais m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Comment se fait-il finalement que le fils finalement d'un industriel de la chaussure à Plessisville, relativement antisyndical, a marié la fille du chef syndical, du chef syndicaliste de Forano, quoi. Est-ce que... Tout ça pour dire probablement que moi, j'avais pris une distance telle par rapport au milieu que non seulement j'avais une idéologie tout à fait opposée à celle de mon père, mais j'avais aussi transgressé une règle qui était de marier la fille, finalement, du chef du syndicat de la Forano, quoi. Donc voilà un peu la... J'ai remis un peu en contexte cette enfance que je dirais, bon, avec ces gens. Bon, pour revenir un peu sur ces deux pôles, politique et culturel, ses oncles, finalement, qui avaient un grand intérêt pour la culture. Un point tel, si vous aimez une dernière anecdote, probablement, sur cette période qui était le 25e anniversaire de mariage de mes parents, qui ont toujours, à cette époque-là, comme encore aujourd'hui, on s'est souvent fait une fête de famille et dans un restaurant et tout ça. C'est posé la question, finalement, du cadeau collectif. Et l'oncle curé, qui était l'artiste et intellectuel, a dit, je vais m'en occuper. Il est venu à Montréal. Dans une galerie, je pense qu'il s'appelle l'art français. Et il a commencé à regarder, finalement, les... Il avait arrêté son choix seulement sur deux toiles. Et une qui disait, bon, moi, ce serait plutôt celle-là que j'achèterais. C'est à peu près au même prix. Puis après, il avait regardé l'autre, puis il dit, bon, peut-être Joseph Edard aimerait mieux, disons, cette toile. Puis il a commencé à regarder. Donc là, c'était une toile de Riopelle, petit format, les années 60, probablement. Et l'autre, c'était Oscar Delalle, qui était un paysagiste des Laurentides. Il hésite. Et finalement, il achète Oscar Delalle. Et j'avais ici, j'ai pas remis, j'avais le tableau ici. Finalement, c'est moi qui ai hérité, disons, ou que je souhaitais finalement obtenir le tableau. Et finalement, j'ai dit, mais merde, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait comme choix ou comme mauvais choix? J'ai un Oscar Delalle qui est installé là. C'est un beau paysage des Laurentides avec un peu de neige, la rivière qui descend, des sapins et tout ça. Et j'aurais pu avoir finalement un Riopelle. Donc, le Oscar Delalle va peut-être 5 000 $ et le Riopelle vaudrait entre 50 et 100 000 $. J'ai dit, merde, là! J'aurais dû ce curé, oncle curé, au fond, choisir ce qu'il désirait. Je pense que c'est toujours ce qu'il faut peut-être faire lorsqu'on veut faire un cadeau, même compris une œuvre d'art. Ne pas penser à ce que la personne à qui on offre pourrait souhaiter avoir, mais plutôt choisir en fonction de ses propres goûts et de dire, bon, ce qui me fait plaisir. Ce qui n'était pas facile, c'est parce que c'était un cadeau collectif donné à une personne qui ne connaissait pas nécessairement beaucoup l'art. Mais voilà, bon, un peu. Mais le pôle culturel était quand même là. Cette toile était là à la maison. L'oncle influencé aussi parce que, bon, il aimait beaucoup l'art et tout ça. Donc, il invitait les plus jeunes. Donc, mon frère jumeau deviendra artiste. Et je pense qu'il nous a influencés à ce moment-là dans nos choix. On s'intéressait beaucoup plus à... Il était certain qu'en choisissant probablement la sociologie comme discipline, comme vocation, il y avait, je dirais, est-ce que c'est des motivations? Il y avait quand même un refus. Je pense qu'on ne va pas vers cette discipline-là sans refuser quelque chose, sans contester. Je pense qu'il y avait un refus d'un destin social, parce qu'au fond, ce que mon père souhaitait, c'est que je devienne avocat. Il souhaitait qu'un autre devienne médecin. Il souhaitait qu'un autre devienne curé. Donc, mon frère, un peu plus âgé, lui est devenu prêtre. Il a fait le petit séminaire à Québec. Et, le grand séminaire, pas le collège de Lévis, ensuite le séminaire à Québec. Il deviendra prêtre. Et, vous qui êtes de la région de Québec, il a été curé de Saint-Roch pendant quelques années. Et à la fin de sa carrière, il est mort il y a 2 ans, crise cardiaque à 72 ans, était devenu... il avait été d'abord évêque associé, là, ou adjoint à Québec, qui était le chef de l'Église catholique à ce moment-là à Québec, c'était le cardinal Ouellette, quoi. Mais lui était l'aile progressiste du cardinal Ouellette. Et ensuite, il a été nommé, grâce probablement au cardinal Ouellette, archevêque de Rimouski. Donc voilà,
Je pense qu'il était... Ma mère était très contente. Mon père, bon, je pense qu'il aurait voulu qu'il soit autre chose. Mais d'avoir un fils dans l'Église, c'était très bien à ce niveau-là. Et quand mon frère est devenu évêque, j'ai fait une blague. Ça. Tu sais, quand tu as été nommé, quand tu as choisi de faire la prêtrise, notre père, mon père m'a dit, en confidence, il dit, on nous aurait dit, j'accepte de donner un fils à l'Église, mais à une condition, qu'il devienne un jour évêque. Là, il s'était tourné vers moi, puis il dit, t'es sûr qu'il a dit ça? Là, j'avais répondu, est-ce que je m'en souviens encore? Très bien, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il ait dit comme ça, mais je suis sûr qu'il l'ait pensé, quoi. Donc, il a fait cette idée, parce que mon frère jumeau, lui, à un moment donné, après, qui était plus mystique, qui était mystique, et avait commencé des études en art visuel à Québec. Et il voulait, finalement, il avait fait son bac, et avait décidé d'aller chez les bénédictins. C'est les bénédictins à Magog. C'est bien les bénédictins. Et mon père était furieux. Je sentais finalement que un curé dans la famille, c'était suffisant. Deux, c'était trop. Donc, il n'était pas question, moi, que je devienne curé. Je n'ai pas pensé jamais à cette idée. Je devais être avocat. Même, on m'a fait faire au Collège de Lévis, à cette époque-là, il y avait un orienteur, psychologue, qui me faisait passer des tests. Il avait conclu que je devais aussi aller en droit. Bon, etc., etc. Et bon, j'ai pensé. J'ai dit, mais qu'est-ce que je ferais en droit? J'ai dit, bon, là, j'avais des convictions aussi politiques. J'ai dit, bon, peut-être, à la limite, j'irais... Je connaissais bon, les travaux de Van Bonkœur et tout ça, qui était à la revue Cité Libre, et des choses comme ça. Donc, je connaissais ce personnage. J'ai dit, peut-être le droit syndical, ce serait peut-être la seule condition que je pourrais... m'amènerait finalement, la seule raison qui m'amènerait à aller vers le droit. Je pense que c'est à la fois, disons, un intérêt pour, je dirais, deux choses. Un, les idées politiques, une forme de contestation. Et l'autre qui était finalement aussi le rapport à l'écriture. Donc, je faisais du journalisme étudiant à cette période-là. Et donc, je trouvais que la sociologie permettait de rejoindre un peu les deux. Et peut-être une façon de faire de la politique qui ne soit pas non plus la politique militante, partisane dans les partis politiques. Puis, à ce moment-là, je ne voyais pas nécessairement quel serait mon mode de rapport à l'action politique. Mais il y avait quand même, je dirais, comme je disais, une contestation, probablement un refus d'un destin social et une critique, finalement, d'une idéologie politique qui avait été celle de mon père. Donc, je pense que tout ça était... dans un moment où je suis finalement, je dirais, la dernière génération des collèges classiques. Et un moment où j'ai fait le latin, mon latin, j'avais étudié le grec, bon, la rhétorique et tout ça, la philosophie, qui était finalement une philosophie même encore thomiste. On nous faisait lire l'abbé Grenier dans le latin vulgaire. Donc, tu vois un peu... mais à la fois, on lisait, nous, à la fois des auteurs écrivains français catholiques, et on lisait par ailleurs en cachette Camus, Sartre, après Robbe Grillet, et tout ça, on s'intéressait, et on contestait. On vivait dans ce milieu qui nous a donné un certain nombre d'avantages, et en même temps, on le contestait. De façon, on voulait changer le système d'enseignement. L'internat nous faisait souffrir dans une certaine mesure. La doctrine qu'on nous enseignait, on la trouvait trop fermée. Donc, il y avait... Et au plan politique, j'étais déjà dans le journalisme étudiant. J'ai participé à un mouvement qui s'appelait l'ACJC, l'Association de la jeunesse catholique canadienne, quelque chose comme ça, qui était un groupe de formation politique. Il y avait un parlement-école. Et je m'étais impliqué dans ce parlement-école pour devenir chef de l'opposition. Et quelle était cette opposition? Le NPD, quoi. Donc, un peu le climat de cette époque, à la fois de... Oui, un milieu qui était en train d'éclater.
se transformer complètement et en participer. Et on a l'impression de participer à cet éclatement, à cette transformation. D'où le titre de l'ouvrage que j'écrirai, « L'entrée dans la modernité », quoi.